Charlemagne, on a dépensé dessus 1,2 milliard. Sur ce 1,2 milliard, bien entendu, il y a la rénovation des établissements scolaires, il y a la construction de nouveaux établissements. Ne serait-ce que la partie bâtimentaire, c'est à peu près 450 millions d'investissements pour les constructions. Puis après, il y a tout le reste, c'est-à-dire qu'il y a les fournitures scolaires, il y a la cantine. Le prix de la cantine ne changera pas cette année. Il est à 3 euros et il est à 1,20 euros pour les boursiers, alors qu'il coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir permettre aux enfants de travailler dans des bonnes conditions, d'avoir une alimentation équilibrée et puis d'avoir des activités scolaires qui leur plaisent. On faisait tous les vendredis dans le jardin. On plantait, on apprenait, on jouait, on rigolait. Ici, on a de la lavande et du basilic. On a planté des tomates. Elles ont poussé depuis. Ici, il y a de la menthe. Et aussi, on avait planté ici. Et ça fait des patates. Elles sont encore en train de pousser. Le projet, il a cette phase où on intervient sur temps scolaire avec les professeurs de sciences auprès de tous les sixièmes de l'établissement dans le montage d'un jardin pédagogique comme celui que vous voyez ici. Donc les professeurs prennent sur leur temps de cours pour aborder les mêmes notions qu'ils allaient avoir en sciences, du développement durable, de la physique, de la biologie, mais pas dans une salle de classe, par les mains, par le ressenti, par l'appropriation et le toucher en extérieur dans leur jardin.